Suivant l'épaisseur de la tôle, tu as une grosseur de soudure à respecter et c'est pas faut quand même faire attention. Est-ce que tu as bien fait pour pas que ça casse après bien bridé pour pas que la tôle travaille trop. Alors le métier de soudeur consiste à réaliser le jonctionnage de coque, la coque extérieure du sous-marin. Le rôle du soudeur consiste à assembler des parties métalliques avec différents procédés. En différents types d'assemblage. Il y a trois types de modes opératoires de soudage. Il y a le mode manuel, qui consiste à souder purement et simplement avec les mains, avec du métal d'apport que l'on change entre deux. Et il y a le mode automatisé, c'est la machine qui gère le soudage. Et il y a entre les deux le mode semi-automatisé, qui consiste chez nous à faire du mag. C'est métal actif gaz. Quand on démarre un travail, dans le suivi de joint, on a ce qu'on appelle le DMOS, c'est le descriptif du mode opératoire de soudage, qui nous donne toutes les données techniques à respecter pour le soudage. Les responsabilités d'un soudeur, c'est que ses soudures soient toujours propres, bien faites, et le respect des normes. Le chef nous met une liste, en fait. Pour telle date, on a telle commande à faire. Et on essaye de suivre à peu près pour que les commandes les plus urgentes pour le montage par la suite soient livrées à la date convenue, quoi, pour pas que ça empêche la suite de la production.